Monsieur Richard Valente, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, très bien, par cette journée ensoleillée. C'est toujours un plaisir d'être au rendez-vous de la radio Puisalène. Et donc, Richard Valente, vous êtes le directeur de la mission locale Cœur de Picardie et on vous connaît également en tant que président d'une association, d'une compagnie de théâtre qu'on connaît très bien, c'est les Scènes de l'Oise. C'est une deuxième vie, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus se focaliser, effectivement, sur le rôle de la mission locale Cœur de Picardie. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui que nous allons parler dans cette émission. La présentation de la mission locale, depuis combien de temps la mission locale existe sur le bassin du Noyonnais? Alors la mission locale du Cœur de Picardie, en fait, puisqu'elle regroupe trois entités, Noyon, Roy-Montdidier, donc on est au cœur de la Picardie véritablement avec ces trois sites. Elle existe depuis les années 80 puisque le réseau des missions locales est né à cette époque. Alors je ne referai pas toute l'histoire des missions locales, mais elle est intéressante. En fait, dans les années 80, la question qui s'était posée, c'était de savoir quels outils peuvent être mis en place en direction des jeunes lorsqu'il s'agit d'emploi, mais pas seulement d'emploi. Très vite, à la demande de Pierre Moreau à l'époque, hein, donc ça date, hein, la question avait été posée et Bertrand Schwartz avait réfléchi sur la question, avait mené plusieurs études sur le sujet et avait proposé de considérer que lorsqu'il s'agit des jeunes de 16 à 25 ans, si on ne parle que d'emploi, si on ne tient pas compte du terrain local, du tissu local en termes d'entreprise, en termes de formation, en termes de contexte social, économique, et si on ne tient pas compte de toute la complexité du chemin pour un jeune lorsqu'il s'agit de se dire « qu'est-ce que je ferai demain ?» eh bien, c'est compliqué. Et donc, il faut créer un outil à part entière. Et l'idée, à l'époque, c'était de créer une mission de courte durée, puisqu'il s'agissait d'une mission locale, en l'occurrence, qui permet à des acteurs de se rencontrer, de se réunir pour trouver des solutions pour les jeunes. Et ensuite, c'est institutionnaliser cet outil pour faire partie du service public de l'emploi aujourd'hui, de la même façon que Pôle emploi ou Cap emploi, et pour apporter des réponses aux jeunes, qu'il s'agisse d'emploi, formation, mais pas simplement. En fait, c'est une mission locale a aussi pour mission d'accompagner les jeunes lorsqu'ils ont des questions sur la vie quotidienne, la santé, la citoyenneté, les droits, le logement, le permis de conduire très souvent. Donc on intervient effectivement sur beaucoup de domaines, même si souvent, très très naturellement, la première question que les jeunes nous posent lorsqu'ils s'inscrivent à la mission locale, c'est sont des questions liées à l'emploi et la formation. Mais le reste, on en tient compte aussi parce que ça joue un grand grand rôle en fait. C'est vrai que c'est important quand même de le préciser que voilà, la mission locale, ce n'est pas uniquement ce n'est pas que pour l'emploi, pardon, c'est pour d'autres choses à côté. Et c'est vrai qu'on va voir la diversité de vos missions tout au long de cette émission. Voilà, il y a c'est vrai que le principal c'est l'emploi, mais il y a d'autres choses qui jouent également. Et oui, parce que quand on a entre 16 et 25 ans, qu'on est sorti de l'école, eh bien souvent on se pose des questions, y compris sur le choix du métier qu'on souhaite exercer plus tard. Et souvent, par rapport à sa vie que l'on mène tous les jours, eh bien, il peut y avoir des questions vraiment importantes dont il faut tenir compte. Parce que si tout à l'heure on évoquait la santé, mais si on ne tient pas compte de la santé par rapport à un projet de vie, un projet d'emploi, eh bien on peut passer à côté d'opportunités réelles et se tromper de chemin. De la même façon, aujourd'hui, la mobilité, c'est quelque chose de très important. Et si on n'a pas la chance d'avoir le permis de conduire, c'est pas si simple. Et en tout cas, il faut en tenir compte dans son projet pour essayer de trouver des solutions adaptées par rapport à cette réalité. Alors, justement, si on se recentre donc sur la mission locale Cœur de Picardie, donc vous l'avez bien dit, hein, ça regroupe trois grandes villes, puisque voilà trois sites et trois zones une zone d'intervention, le cœur de la Picardie, l'ex-Picardie aujourd'hui. On intervient en fait sur le Grand Roy,
côté Somme, et on intervient sur le Pays Noyonnais et sur la communauté de communes des deux vallées, côté Tourot-Ribécourt, sur la partie oise. Et donc les jeunes peuvent s'inscrire sur les sites en question, à Noyon, 324 rue du Moulin-Saint-Blaise, mais aussi sur les antennes, Roy et Montdidier, pour être accompagnés dans leur projet. Mais nous avons aussi des permanences. On a un projet de permanence sur la maison de quartier du Mont-Saint-Siméon à Noyon, qui va se mettre en place dans peu de temps. Et on a aussi des permanences qui existent depuis plusieurs années, par exemple sur Guiscard, au centre social, une permanence qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et on peut aussi se déplacer en fonction d'actualités particulières d'un territoire. D'accord, donc vous n'êtes pas non plus centré sur les trois villes que vous voilà, avez. Voilà, on s'adresse bien sûr aussi au milieu rural, aux habitants des petits villages des alentours, Carlepont par exemple. On a des jeunes inscrits à la mission locale qui habitent Carlepont. Tout comme sur des villes ou des villages encore plus petits. Hein. D'accord. Alors justement, s'il y a des personnes, parce que peut-être que des personnes, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui connaissent la mission locale, ou alors est-ce qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas justement votre structure? Alors la mission locale Cœur de Picardie, c'est plus de 2200 jeunes, presque 2300 en fait, hein, qui sont en contact chez nous. Plus de 600 nouvelles inscriptions par an, en moyenne. Des jeunes qui sont vus aussi très souvent parmi ces 2200 jeunes. Il y en a à peu près 1000 qui sont vus de façon très soutenue pour être accompagnés dans leur projet. Et donc, avec tout cela, ça fait un nombre important de jeunes à qui on s'adresse. Mais en même temps, notre rôle, c'est de pouvoir s'adresser à un maximum de jeunes. Et surtout, c'est aussi pour ça que on se déplace sur les radios, mais aussi sur des opérations un peu innovantes. Il y a quelques semaines les trophées de l'innovation, et à cette occasion, on a participé à l'opération Laisse pas traîner ton futur, où toutes les missions locales des Hauts-de-France se sont déplacées sur des lieux de tous les jours. Pour nous, nous sommes déplacés sur Auchan, nous sommes déplacés aussi au bowling de Noyon, pour aller à la rencontre des jeunes. Et donc c'est aussi notre rôle de s'adresser à un maximum de jeunes. Alors pourquoi on fait ça? Vous allez me dire, mais vous n'avez rien à vendre, vous êtes service public. Effectivement, on n'a rien à vendre. Mais en même temps, ce qu'on souhaite justement par rapport à notre mission de service public, c'est qu'il n'y ait pas de jeunes qui passent à côté de services qui leur sont accessibles et gratuits en plus. Ah oui. Et donc pour nous, c'est important de dire aux jeunes, n'oubliez pas de vous inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire, n'attendez pas que les semaines passent ou que les mois défilent à la suite de votre diplôme obtenu ou non obtenu d'ailleurs, parce que en fonction d'un projet, on s'adresse à tous les jeunes, qu'ils aient ou non un diplôme. Et justement, s'ils n'ont pas de diplôme de décroché, on peut leur proposer soit travailler sur leur projet emploi, mais aussi bien sûr travailler sur leur projet formation par biais de l'offre de formation régionale des Hauts-de-France, mais pas seulement, l'offre de notre partenaire Pôle emploi ou encore de l'État ou d'autres partenaires. Donc pour nous, c'est important qu'il n'y ait pas de temps de latence, en fait, et qu'il n'y ait pas de décrochage. Parce que plus tard on s'inscrit à la mission locale, plus au final on perd un peu de temps parce qu'on passe à côté d'opportunités, parce que parfois, c'est tout bête, mais il y a des grosses périodes où il se passe plus de choses qu'à d'autres. Par exemple, à la rentrée, en septembre-octobre, c'est une période charnière, en fait, lorsqu'il s'agit d'emploi et de formation, parce que énormément de formations et d'emplois sont accessibles. Les entreprises ont leurs vacances terminées, ont recruté, ont planché sur quel profil recruter au mois de juillet-août, et donc recrutent sur cette période de façon très importante. Et puis côté formation, là par exemple sur l'actualité des formations financées par la région, il y a un nombre important de formations qui sont mises en place pour les publics qui souhaitent se remettre à niveau et avoir une dynamique en termes d'employabilité. Et justement, quand vous allez sur le terrain, quand vous allez par exemple sur le bowling ou dans les magasins, vous voyez qu'il y a des jeunes qui ont un petit peu trop tardé et qui ont
entre guillemets, perdu du temps, je dis bien entre guillemets. Ça arrive toujours, un peu moins peut-être au fil des années, parce que le réseau d'émissions locales est quand même connu, et alors, il peut toujours être plus connu, hein, parce que la particularité de notre réseau, c'est que nous ne sommes pas un réseau national. Il existe des missions locales partout en France, il y a un réseau d'émissions locales, mais en même temps, chaque mission locale est indépendante de son voisin. D'accord. Le pilotage est à chaque fois local, même si nous sommes service public. C'est notre particularité. Vous voyez qu'on est au rendez-vous des associations. Demain, vous n'allez pas inviter Pôle emploi parce que ce n'est pas une association. Par contre, vous nous invitez parce que nous sommes une association. On a cette fibre-là particulière. Alors pourquoi bon, je ne referai pas non plus là toute l'histoire, mais en fait, ce mode associatif nous permet d'avoir un sens du local, de la proximité plus important. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est la chance en fait que l'on a dans nos métiers, c'est que en fait on peut très régulièrement expérimenter, tester des choses en fonction d'une réalité et parfois même urgente. Et donc c'est notre force en fait de pouvoir s'adapter à des particularités d'un territoire. D'accord, mais ça c'est vrai que c'est important de préciser, parce que moi par exemple je ne savais pas qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y a un réseau national, mais je ne savais pas par exemple que les missions locales étaient vraiment indépendantes les unes des autres. Et oui. Alors on est service public de l'emploi, on est cofinancé en fait, hein, avec un financeur principal qui est l'État, un deuxième financeur très important c'est la région, et aussi en termes de financement une participation des départements chez nous, côté Oise, et puis une participation des collectivités locales, là du côté des communautés de communes principalement, mais aussi certains villages adhèrent individuellement aux missions locales. C'est le cas dans notre mission locale. Et par contre, le pilotage est local. La présidence d'une mission locale, c'est toujours une personnalité du territoire, souvent un élu de la communauté de communes la plus importante du territoire concerné. D'accord, et donc là dans le cas par exemple de Cœur de Picardie, c'est je suppose la communauté de communes du Pays Noyonnais ou... Voilà, tout à fait, c'est Aurore Hugo, notre présidente, qui a en charge la présidence de la mission locale, avec bien sûr au sein d'un conseil d'administration très pluriel, avec la présence de l'État, la région et nos partenaires en fait, et puis les élus du local et de tous les horizons en fait. Donc il y a les élus effectivement de la communauté de communes du Grand Roi, la communauté de communes de Pays Noyonnais et des Deux-Vallées. Voilà. Dans votre cas. Alors pas les Deux-Vallées parce que c'est une particularité de notre territoire, mais en tout cas il y a des au sein de notre assemblée générale on a par exemple la commune de Marais-sur-Mâc qui est adhérente à la mission locale. Voilà. Et d'ailleurs c'est une particularité à notre territoire en fait. Une communauté de communes a le choix. Et souvent la volonté d'adhérer à une mission locale, souvent de créer une mission locale ou de se regrouper avec plusieurs communautés de communes pour créer une mission locale. Alors c'est le cas chez nous, avec comme particularité côté Deux-Vallées, c'est que ce n'est pas la communauté de communes qui adhère chez nous, mais les villages ou les villes peuvent adhérer. D'accord. Alors il y en a peu d'ailleurs, hein, si je peux me permettre de lancer un appel. Ah bah bien sûr. Aux maires de villages des Deux-Vallées, n'hésitez pas à adhérer à la mission locale, parce que ça vous permet de garantir une offre de services publics plus soutenue, parce qu'on peut aussi, y compris sur des villes comme, on pourrait tout à fait imaginer sur des villes comme Ribécourt ou Tourotte, des permanences qui permettent à des conseillers d'être présents sur le terrain et de proposer l'offre de services publics qui est importante. Hein. Il y a notamment des dispositifs aujourd'hui qui sont proposés par les missions locales qui n'existaient pas avant et qui apportent vraiment une plus-value. Je pense par exemple à la garantie jeune. Ah, parce que en fait, donc si je comprends bien, des communes comme Ribécourt ou comme Tourotte ne font pas partie de la mission locale. Et non. Ah, c'est surprenant ça. Oui. Ah, il faut qu'elles fassent ce pas. Je pense que parfois elles y réfléchissent, mais elles peuvent aller jusqu'à l'action et puis passer à la signature d'une adhésion à la mission locale. Oui, parce que pourtant Ribécourt et Tourotte, c'est quand même des villes assez importantes sur le territoire des Deux-Vallées. Tout à fait. Alors, ce qui n'empêche pas des jeunes, bien sûr, notre service est public, hein, donc oui. On a des jeunes de Tourotte et de Ribécourt qui viennent, mais les villes n'adhèrent pas. D'accord. Ah oui, ben voilà. C'est surprenant. C'est ainsi. C'est surprenant, effectivement. Mais ça pourra changer un jour. Je pense que d'ailleurs, ça changera un jour parce que c'est une vraiment particularité, c'est vrai. Déjà, la première chose, c'est que vous aidez, effectivement, les jeunes à construire un projet professionnel.
Oui, parce que entre 16 et 25 ans, c'est bien normal. Et d'ailleurs, même toute la vie, on se pose des questions sur son projet. Aujourd'hui, on se forme d'ailleurs tout au long de la vie. Et l'une de nos missions, c'est d'aider à l'orientation et d'aider au choix de métier. Et souvent, pour choisir un métier, il faut tenir compte de pas mal de choses au final. Comme par exemple, ses traits de personnalité, son caractère, mais aussi les conditions de travail qu'on est prêt à accepter, ou encore les centres d'intérêt que l'on a, ou encore ce que l'on sait déjà faire qui va être exploité dans le cadre d'un projet. Et donc tout ça doit être pris en compte et nécessite une réflexion et de poser les choses tranquillement pour pouvoir établir ce projet et faire un choix qui tienne la route, mais pas seulement, un choix qui plaise et qui corresponde à la personne. Et ça, c'est très important. Alors justement, s'il y a des jeunes qui ne savent pas forcément quel projet professionnel ils ont, quels sont les moyens, quelles sont les actions que met en place la mission locale pour aider les jeunes justement à construire leur projet professionnel? Alors notre rôle, c'est d'abord de conseiller d'ailleurs sans jugement aucun. C'est une de nos modes de l'un de nos modes de travail, parce que notre rôle, c'est d'écouter et de prendre en compte la personne avec respect, en tenant compte de toutes ses difficultés aussi. Et donc on tient compte de ce qu'est la personne pour pouvoir aborder un projet. Et comment on fait le plus souvent, c'est que l'on invite la personne à discuter avec des professionnels, ou même mieux, à effectuer des stages qui permettent d'observer, ou même parfois même de faire ses preuves dans certains cas. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans cette dynamique-là, dans le pari, en fait, de proposer à la personne d'être face au travail, face à l'activité en elle-même, pour avoir une bonne compréhension du projet, du métier, et pourquoi pas pour très vite aller vers l'emploi. Et c'est vrai que le stage permet très souvent d'avoir une expérience très concrète qui permet à la personne de choisir en toute connaissance de cause. D'accord, donc effectivement, c'est vrai que la mission locale propose, donc je suppose, des immersions dans les milieux professionnels. Tout à fait, on peut aider à trouver des stages en entreprise, et puis on permet bien sûr la contractualisation, puisque le stage est effectué de façon contractuelle, et donc c'est important que les choses soient calées, et que la personne ait une assurance par rapport à ce stage. Oui. D'accord, donc là on a parlé effectivement du projet professionnel. Donc une fois que le projet professionnel est défini, parce que c'est quand même la première chose de définir ce projet professionnel, après il y a l'aspect formation. Et une des missions également des missions locales, c'est d'élaborer un parcours de formation. Tout à fait, là c'est quelque chose de très important. Notre rôle en tant que service public, c'est de donner accès à l'information sur les formations, puisqu'elles sont en nombre. La région notamment finance de très nombreuses formations, ainsi que l'État et puis Pôle emploi. Et donc notre rôle, c'est de donner l'accès à l'information de la formation, pour que la personne puisse prendre les contacts qu'il se doit, sachant que ce rôle-là, vous pourrez me dire, aujourd'hui à l'ère d'Internet, ça pourrait être tout simple de faire ça dans son coin. Mais il y a des pièges. Il y a des pièges, et souvent d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les expériences professionnelles des conseillers des missions locales, pas souvent, mais régulièrement, ponctuellement, cela arrive que l'on soit confronté à des personnes qui tapent le nom d'une formation sur Internet, qui cliquent, et qui achète une formation qui existe d'autre part, gratuitement, ailleurs, avec le service public. Et donc là, notre rôle, c'est aussi d'éviter ce type de piège, et donc de donner l'accès à toute l'information qui permet à la personne de faire son bon choix, et aussi de ne pas se mettre en difficulté. Alors ce cas, et c'est pas un cas qui arrive tous les jours, mais c'est notre rôle d'opérateur de service public, c'est aussi ça, c'est de permettre à la personne d'avoir les bonnes informations. Et donc comme service public de l'emploi, bien on a forcément la liste de toutes les formations existantes, et puis les contacts qui permettent aussi d'accélérer le processus d'entrée en formation. Et puis aussi, je suppose, les formations qui sont financées par la région de France, par l'État, par le Pôle emploi. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est important de bien faire attention aussi, parce que c'est vrai que... Entre acheter une formation sur Internet payante et
effectuer une formation gratuite qui, d'autre part, est rémunérée, il y a une toute petite différence. Donc, bah, autant oui. choisir cette deuxième option. C'est sûr. C'est sûr, effectivement, c'est vrai qu'il faut mieux privilégier les formations où non seulement, bah voilà, c'est dans le cas, c'est dans les offres de formation de la région, mais en plus, il y a les allocations de retour à l'emploi qui peuvent fonctionner. Oui, l'intérêt de ces rémunérations pendant la formation, c'est que ça permet à la personne de faire face aux frais courants de la vie quotidienne ou de se déplacer tout simplement jusque l'organisme de formation, et donc de pas être en difficulté financière pendant un parcours qui a vraiment une grande importance, parce qu'une formation, ça a un enjeu. Quand on fait une formation, c'est pour soit se remettre à niveau, soit se former à un métier. Et quand on se forme à un métier, le but, c'est d'aller jusqu'au bout pour pouvoir dire à une entreprise, voilà, j'ai les compétences, j'ai effectué cette formation, éventuellement, j'ai même validé un diplôme. Et donc là, pour le coup, c'est le parcours parfait. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé du projet professionnel, ensuite on a parlé de la formation, et puis c'est vrai que derrière, bah, il faut trouver un emploi, effectivement, et la mission locale peut aider à fournir des conseils, justement. Bien sûr, on a un rôle de conseil, hein. D'ailleurs, dans nos équipes, on a principalement une équipe de conseillers en insertion sociale et professionnelle, et notre rôle, effectivement, c'est de pouvoir donner toute une série de conseils, d'astuces pour faciliter le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, être recruté, ça nécessite la prise en compte d'un certain nombre de codes de l'entreprise que l'on n'a pas forcément lorsqu'on débute dans sa vie professionnelle. Et donc notre rôle, c'est aussi ça, d'aider dans la stratégie qui permet de trouver l'entreprise, parce que parfois on a un projet, on a un choix de métier très précis, mais on ne sait pas trop qui contacter ou comment. Et donc notre rôle, c'est de pouvoir permettre à la personne d'avoir ces billes-là. Alors on propose soit des conseils sous la forme d'ateliers, soit des prestations de type coaching en individuel ou en collectif, effectivement. Et donc cet aspect coaching, qui est un terme peut-être qui est aujourd'hui à la mode, mais qui correspond vraiment à quelque chose de très cohérent, très pertinent aujourd'hui, pour permettre à la personne d'accélérer, de multiplier ses chances d'accéder à l'emploi face à un monde qui fait que lorsqu'on postule à une offre, on a aussi un concurrent. Et donc, comment faire en sorte qu'on soit le plus valorisé possible et qu'on fasse la différence. Et donc, notre rôle, c'est ça, c'est de donner les billes pour permettre à la personne de faire la différence. Et parfois, il y a des conseils assez simples, au final, qui, lorsqu'on les applique, on permet à un recruteur de se dire « Ah tiens, cette personne, elle est intéressante ». Et puis c'est vrai que des fois, il y a un voire plusieurs concurrents, hein, quand on est sur des emplois où il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, là c'est vrai que ça peut vite arriver à être 4, 5 ou 6 concurrents sur le même poste. Alors notre rôle aussi, c'est de faciliter aussi, quand je parlais de code de l'entreprise, c'est tout ce qui permet à une entreprise de se dire, voilà la personne, lorsqu'elle sera dans mon entreprise, elle s'épanouira et aussi elle sera en phase avec ce que l'on fait. Et donc ces codes-là, on les a pas forcément tout de suite. Et donc notre rôle, c'est aussi de faciliter la bonne attitude, la curiosité, les bons réflexes par rapport à tel ou tel corps de métier. Et donc on est aussi sur, et c'est important pour les entreprises, d'avoir des candidats qui ont les savoir-être que attendent. Et puis aussi, vous organisez également un forum emploi. Alors, c'est au campus Innovia, hein. Oui, régulièrement, en fait, les missions locales, et donc la mission locale Cœur de Picardie, hein, sur ces trois sites, organise des événements, donc des événementiels. Là, il s'agit du forum emploi, formation, création d'entreprise, hein. C'est tout un programme, puisqu'on abordera les trois thématiques avec des entreprises dans des secteurs très différents. Il y aura des centres d'appel, il y aura des entreprises du tertiaire, je pense à la Massif, je pense à Coriolis, EuroCRM, je pense à la plateforme Intermarché de Canly, je pense, oui, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences intérim qui ont des clients et donc des entreprises qui recrutent actuellement, notamment des entreprises aussi qui sont plébiscitées ou en tout cas qui suscitent un intérêt tout particulier, je pense à Amazon ou à d'autres grandes
grandes entreprises qui recrutent et font appel à des agences intérim. Il y aura aussi des centres de formation, pas simplement des centres de formation qui forment de façon classique, mais aussi des centres de formation qui proposent de l'alternance, et donc des contrats de travail où on se forme et on travaille. Et donc c'est souvent là, il faut dire les choses comme elles sont, la façon presque idéale de d'accéder à un emploi aujourd'hui, c'est de passer par ces étapes très concrètes où à la fois on peut garantir à un employeur des compétences, un diplôme, et en même temps on peut garantir à un employeur une expérience, ce que permet l'alternance avec soit le contrat d'apprentissage, soit le contrat de professionnalisation. Alors je précise que cet événement, hein, il se fait avec des partenaires, hein, la mission locale ne travaille pas toute seule dans son coin pour organiser ce genre d'événement, hein, c'est la ville de Montdidier avec Pôle emploi qui sont les deux principaux partenaires de cette opération, mais autour de nous, tous nos partenaires entreprises avec lesquels on travaille toute l'année, les centres de formation, ou encore la région, hein, qui sera présente ce jour-là sur le forum avec Pôle emploi, qui seront là et participeront à cet événement qui est à chaque fois un vrai succès. Alors on a ce forum sur Montdidier, donc c'est mardi toute la journée de 10h à 17h sans interruption, et puis on aura aussi comme chaque année au printemps le forum sur Noyon qui là aussi au campus économique Innovia est un très beau rendez-vous, hein, sur la pépinière éco-industrielle. D'accord, donc notez ce rendez-vous si vous êtes du côté de mardi, Montdidier. Ça approche, oui, effectivement. Hein, si vous êtes du côté de Montdidier, ben notez ce rendez-vous mardi, donc de 10h à 17h, c'est au gymnase Handisport, rue Pasteur à Montdidier. Et voilà, si... Plus de 55 entreprises, hein, qui seront présentes, 55 partenaires, beaucoup d'opportunités. Et puis on est vraiment sur la période, donc il faut venir. Donc voilà, maintenant, je pense que vous l'avez bien noté, mardi. Avec le CV, hein, bien sûr. Évidemment, il faut apporter vos CV. C'est un forum tout public. C'est logique. Vous savez que l'émission locale s'adresse principalement aux 16-25 ans, mais le forum est ouvert aussi aux adultes. Hein, et il n'y a pas de discrimination. Non, mais ça, c'est important de le préciser aussi. Hein, c'est-à-dire que voilà, l'émission locale, effectivement, n'est plus sur un public de 16-25 ans, mais ces forums sont ouverts à tous. Bien sûr. On a toute l'année, hein, d'ailleurs, avec nos partenaires régions, des publics adultes aussi, hein, qui se présentent dans le cadre du dispositif de la plateforme Proche Emploi, hein, et qui se déplacent dans nos locaux avec les interlocuteurs de la région. Et donc on a aussi des adultes, hein, qui franchissent le pas de la mission locale, même si c'est moins connu, et même si nos missions principales sont clairement consacrées à la jeunesse. Alors on a parlé de tout l'aspect travail. Donc avec la construction du projet professionnel, le parcours de formation et de trouver un emploi. Mais il y a aussi l'aspect vie quotidienne. Et justement, il y a un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle la garantie jeune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors la garantie jeune a été expérimentée en 2015 et généralisée en 2017. Donc c'est un dispositif assez récent. Qui n'est pas encore suffisamment connu, je trouve, et qu'il mérite largement. C'est quoi la garantie jeune ? C'est un dispositif qui permet d'être accompagné vers l'emploi de façon intensive pendant un an, avec un premier mois de coaching intensif où tous les jours on est en groupe et à la fois accompagné en groupe mais aussi en individuel dans le cadre d'un projet. C'est un dispositif qui s'adresse, et c'est sa particularité, aux jeunes qui ont le moins de ressources, avec peu ou pas de ressources, et le but, c'est de leur permettre, de leur donner plus de chances pour décrocher un emploi à l'issue. Et donc décrocher un emploi comment ? Via un maximum de mise en situation professionnelle, c'est le pari du dispositif, puisque le but, c'est de pouvoir décrocher très vite à l'issue du mois de coaching, une mise en situation professionnelle régulièrement, pendant la durée du parcours, qui dure un an, ou mieux, une formation qualifiante, ou mieux encore, un emploi. Et donc voilà le but de ce dispositif, qui a pour particularité d'être un dispositif qui est rémunéré, et sur la base du donnant-donnant. Et ça c'est important, c'est que la personne fait des démarches, s'engage, est dynamique, et bien en échange, elle a une allocation qui lui permet de faire face aux frais de la vie quotidienne, notamment le logement, parce qu'on peut, entre 16 et 25 ans, ça arrive aussi, on peut du jour au lendemain se retrouver sans logement, et bien le dispositif garantie jeune permet d'avoir cette allocation qui permet
permet de payer un premier loyer avec l'aide des partenaires avec qui on travaille. Et donc la garantie jeune, c'est véritablement un dispositif cocooné, sécurisé, qui permet à la personne véritablement de décrocher le plus vite possible un emploi. Et si elle est dynamique, elle décroche cette fameuse allocation mensuelle qui est l'équivalent de un peu plus de 480 euros, hein, ce qui est pas si mal et qui permet de faire face aux besoins d'urgence. Alors, je dirais, pour parler en vieux professionnel des missions locales, c'est que, en fait, ce dispositif est le dispositif idéal des missions locales depuis le démarrage de notre réseau, parce qu'il permet en fait en l'espace d'un an de sécuriser un maximum de choses, parce que les frustrations qu'on peut avoir en tant que professionnel, c'est que lorsque la personne ne vient pas à son rendez-vous, c'est que souvent il s'est passé quelque chose de pas rigolo. Et donc ce quelque chose de pas rigolo, avec la garantie jeune, comme il y a ce parcours intensif et on voit la personne pendant un mois tous les jours, eh bien du coup on peut, dès qu'il y a un problème, réagir très vite et pas rester sur l'attente du rendez-vous, l'absence du rendez-vous, où là on peut rien faire. Si on ne voit pas la personne, on ne peut rien faire. Si on voit la personne, c'est le cas de la garantie jeune, puisqu'on se voit tous les jours le premier mois et ensuite régulièrement pendant les un an, avec les bilans de stage intermédiaire et le bilan final à la fin de la garantie jeune. Donc le fait de se voir, ça permet de décrocher véritablement une sécurisation de parcours, et c'est intéressant pour tout le monde. Alors, c'est vrai que justement, vous en parliez du fait qu'effectivement, des fois, les jeunes, à un moment, peuvent décrocher pour des raisons ou pour une autre, justement. Mais la mission locale aide également, peut aider dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, même si c'est en dehors du dispositif garantie jeune. Bien sûr. Mais ils peuvent aider dans la vie quotidienne. Bien sûr. La garantie jeune, c'est un outil, c'est un dispositif, hein, mais la mission locale s'attache à, de toutes les façons, à ouvrir ses portes à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Sortie de l'école, c'est la seule limite. Vous pouvez être salarié, vous pouvez être demandeur d'emploi, vous pouvez être inscrit ou pas inscrit à Pôle emploi, la mission locale vous accueille. C'est pas un souci. Et notre accompagnement s'effectue en fonction du parcours de vie de la personne. Il n'y a pas que la garantie jeune qui peut être proposée. On a comme habitude de contractualiser notre accompagnement. Ça veut dire quoi, cette démarche-là de contractualisation? C'est un engagement. Un engagement de notre part à proposer des choses, et un engagement de la personne à être assidu sur les rendez-vous et faire des choses qui permettent d'accéder à l'emploi ou à l'autonomie, qui est un terme aussi important en mission locale. Notre rôle, c'est aussi ça, c'est de permettre à la personne de prendre ses ailes et d'accéder à son parcours de vie le plus serein possible. D'accord, donc il y a cet aspect donc d'aide à la vie quotidienne. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a un autre point qui est très important, c'est que la mission locale peut aider aussi à relayer ou à proposer des initiatives dans les domaines des loisirs, du sport, de la culture et de la citoyenneté. Oui, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire tous ces aspects presque inutiles, ludiques, peu importants? Eh bien, en fait, en mission locale, on considère que toutes ces thématiques peuvent avoir un rôle très bénéfique dans le parcours d'un jeune. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on va voir une pièce de théâtre, on va à un concert, eh bien, le fait de faire ces choses, souvent, apporte un plus dans le parcours. Et ce plus, c'est quoi? C'est quelque chose en plus dans le CV. Parce qu'aujourd'hui, un recruteur ne va jamais regarder que le diplôme, que la formation, que l'expérience. Il va regarder aussi cette fameuse rubrique renseignements complémentaires. Et s'il n'y a rien dedans, eh bien, c'est pas forcément super. S'il y a quelque chose, peu importe ce quelque chose, eh bien, le recruteur va se dire, ah, ça, c'est une personne qui a une expérience de vie, qui a des valeurs, qui a un comportement qui, moi, m'intéresse. Et donc, ça, on le retrouve dans quoi? Souvent, dans la culture, dans la citoyenneté, dans toutes ces thématiques annexes. Et donc, souvent, en fait, en mission locale, si on aborde, par exemple, les loisirs, on a une opération qui s'appelle Parcours Vacances et qui
permet de financer une partie des vacances avec l'Association nationale Vacances ouvertes, eh bien cette opération de qui permet de financer des vacances, elle se fait pas pour financer simplement des vacances, parce que d'autres le font et le font d'ailleurs bien mieux que nous. Notre rôle lorsqu'on propose ce type de démarche, c'est de se dire ah tiens, à travers ce projet, je vais permettre à la personne, eh bien, d'être plus autonome pour la suite. Parce que quand on se prépare, lorsqu'on organise des vacances, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'organise, on anticipe, on fait un budget, on est plus autonome, on est mobile, on se déplace. Tous ces éléments-là sont des éléments qui, d'un point de vue éducatif, sont intéressants et sont une plus-value. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est partie toute seule en vacances, eh bien, ça veut dire aussi qu'elle a des ressources qui lui permettent d'être motivée puis de se débrouiller. Vous allez me dire, c'est peu de choses, mais parfois, c'est déjà pas si mal. Ben, c'est vrai que, comme vous le dites, effectivement, si il y a des éléments qui rentrent dans le CV, dans les renseignements complémentaires, peut-être que des recruteurs vont être plus intéressés, et peut-être que ça va, c'est ça qui va faire la différence pour obtenir une formation ou un emploi. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des tas de circonstances presque liées au hasard qui font que une candidature va intéresser plus particulièrement un recruteur. Parce que dans la rubrique renseignement complémentaire qui dévoilera un certain trait de caractère ou une certaine activité de la personne, eh bien ça va parler au recruteur. Tout à l'heure j'évoquais le sport, mais effectivement quelqu'un qui parle concrètement sur son CV du club sportif dont il fait partie, eh bien ça peut percuter chez le recruteur qui soit a eu la même activité sportive dans le passé, ou l'exerce encore, ou soit se connaît le sport et se dit « Ah tiens, quand on fait ce sport-là, c'est que, dans certains cas, suivant le sport, ça peut donner un signe d'endurance, d'esprit d'équipe, ça peut dévoiler des tas de choses. » La même façon pour la culture, d'ailleurs. La culture, sur un CV, quelqu'un qui dit « Voilà, j'exerce une activité théâtrale, ou autre, musique, eh bien, c'est quelqu'un qui dévoile véritablement des qualités qui peuvent intéresser l'entreprise et ce sont des qualités qui peuvent véritablement coller à l'entreprise et à l'activité quotidienne. D'accord. Alors là, on a parlé donc de tout l'aspect pour les jeunes, mais il n'y a pas que l'aspect pour les jeunes, puisqu'il y a également l'aspect pour les entreprises. Et oui, parce que on a d'ailleurs lancé une campagne de communication sur deux thèmes, le réflexe jeune 16-25, pour donner le réflexe aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de franchir la porte des missions locales, de la mission locale Cœur de Picardie, et puis en même temps pour les recruteurs qui souhaitent recruter des jeunes, on les invite aussi à avoir ce réflexe de prendre contact avec nous pour les aider dans le cadre du recrutement. Alors comment ça se déroule? Mais c'est tout bête, hein. Il suffit de prendre contact avec nous soit par téléphone au 03 44 09 86 30, si je ne me trompe c'est pas. C'est le bon numéro. Hein. C'est le bon. Ou sinon via notre site internet www.mlcp.org. Et en nous contactant, on peut vous aider de différentes façons. Parfois simplement en vous invitant pour présenter vos métiers. Et souvent, d'ailleurs, on est de plus en plus sur ce type de démarche. C'est-à-dire qu'on invite les entreprises à se déplacer, à présenter leur métier. Et à travers ce métier qui est présenté, souvent ça soit suscite de l'intérêt, soit suscite des vocations, soit permet à l'entreprise d'avoir des profils intéressants face à elle. Et donc cette démarche-là est souvent très très pragmatique, concrète, et il se passe quelque chose à chaque fois. Ce qu'on appelle le terme dans notre jargon professionnel actuel, c'est de dire voilà, ce sont des rencontres circuits courts. C'est-à-dire qu'on limite toutes les barrières, les sites internet, les structures, mais on fait se rencontrer les gens, et quand les gens se rencontrent, ben il se passe quelque chose. On le fait régulièrement, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec l'organisme de formation didactique qui a recruté pour la Poste des contrats de professionnalisation. On l'a fait aussi il y a quelques jours avec EuroCRM dans le cadre de, là c'est un centre d'appel pour présenter les métiers de téléopérateurs, et on le fait régulièrement et de plus en plus pour faire matcher les connexions et faire en sorte qu'il se passe quelque chose, parce que quand il se passe quelque chose, ben forcément ça aboutit après sur du concret et de l'emploi. Donc voilà, peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, on ne sait pas, hein, des chefs d'entreprise ou des personnes qui travaillent dans des PME, PMI ou bien sûr, ou des petites entreprises.
Et oui, alors et d'ailleurs, elles ont qu'elles n'hésitent pas parce que souvent ces chefs d'entreprise, alors elles ont souvent un agenda overbooké et même plus, mais lorsqu'elles peuvent consacrer ces mini temps de rencontre, souvent ça leur permet mine de rien aussi de gagner du temps parce que c'est du très concret. C'est avec la rencontre qu'il se passe quelque chose et au final c'est aussi dans leur presque dans leur ADN que de faciliter la proximité. Vous étiez parlé de votre équipe parce que oui, parce que forcément moi je suis que peu de choses au final hein. Je suis venu parler de la mission locale mais nous sommes 25 avec beaucoup de conseillers en insertion socio-professionnelle qui interviennent aussi bien sur l'accompagnement des jeunes mais aussi en direction des entreprises et puis aussi des volontaires en service civique dans le cadre de notre espace multimédia et des liens qu'on souhaite tisser avec les jeunes des territoires. Et puis il y a aussi un réseau de parrains bénévoles. On a aussi des bénévoles au sein de notre association. Et là, les bénévoles, ce sont des bénévoles qui interviennent dans le cadre du parrainage pour l'emploi, qui est une action qui permet aux jeunes d'avoir des contacts avec des professionnels ou des personnes qui ont de l'expérience à partager avec d'autres. Ça apporte un vrai plus dans les parcours des jeunes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on rencontre un conseiller, on a des conseils techniques, ils sont très importants. Et puis lorsqu'on rencontre un parrain ou une marraine, on a des conseils souvent liés au vécu de la personne par rapport à son parcours professionnel. Et ça apporte un vrai plus, notamment sur la dynamique de réseau, parce qu'aujourd'hui, la dynamique de réseau, c'est important. Et souvent, et c'est normal, à 16-25 ans, on n'a pas forcément un carnet d'adresses bien rempli. Et donc, en contactant des personnes qui ont de l'expérience, qui ont un carnet d'adresses, eh bien, on peut communiquer son CV à plus de personnes. Et donc, le parrainage pour l'emploi a ce sens-là. D'accord. Donc voilà, peut-être qu'ils nous écoutent, hein, votre équipe, et de toute manière, ils pourront retrouver le podcast effectivement de l'émission aussi sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Donc ils pourront retrouver effectivement l'interview de la mission locale. Alors, on arrive presque à la fin de cette émission du rendez-vous des associations. On va rappeler quand même donc les informations importantes de la mission locale. Alors, les informations de contact, parce que je sais que vous vouliez parler également de votre page Facebook, de votre page Twitter. Oui, je me permets de les évoquer parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique et que tout le monde est hyper connecté, peut-être trop d'ailleurs parfois. Mm-hmm. Mais c'est important, sachez que la mission locale offre des outils numériques très accessibles et qui permettent aussi d'avoir accès à des services en direct. Vous pouvez vous inscrire, vous préinscrire en direct sur le site internet de la mission locale, www.mlcp.org, comme mission locale cœur de Picardie, tout simplement. Et puis, vous pouvez aussi, via la page Facebook, si vous cliquez j'aime sur la page Facebook de la mission locale, hein, on la retrouve facilement, hein, vous tapez mission locale cœur de Picardie, vous allez très vite la trouver. Et bien là, en cliquant j'aime, ayez ce réflexe-là parce que ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle les fameuses notifications hein, qui vous donnent accès à l'information lorsqu'il y a un événement. Par exemple là, il y a le forum et dès qu'il y a un recrutement, on lance très régulièrement des rendez-vous de l'emploi ou des rendez-vous de la formation où on sélectionne quelques offres d'emploi ou quelques offres de formation et les personnes peuvent répondre directement à une adresse mail pour communiquer le CV. On transmet ensuite directement à l'employeur ou à l'organisme de formation. Et donc là, ce sont des services en direct et qu'on peut faire 24 heures sur 24. Et oui, effectivement. Donc voilà pour les informations. De toute manière, comme on le dit à chaque rendez-vous des associations, on se met également au service de toutes les associations. C'est-à-dire que s'il y a des auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de prendre les informations, eh ben déjà, les informations seront mises sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène. Dans la vidéo, vous aurez tous les liens qui seront affichés. Ce sera mis également sur le Facebook de Radio Puisalène, puisqu'on a une page Facebook également, nous, au niveau de la radio. Et puis aussi, si vous avez pas forcément accès aux outils numériques, eh ben vous pouvez nous appeler au bureau, au secrétariat de la radio, au 03 44 75 10 97. Et là, je peux également vous donner les informations de la mission locale. Donc, vous voyez qu'on est au service des associations. C'est ce que je dis à chaque rendez-vous, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Allez, sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube Radio Puisalène, mais également à nous contacter au secrétariat. Il n'y a aucun souci.
Alors, on va rappeler que donc quand même votre prochain événement, ce sera oui, donc le forum mardi. Bien sûr, mardi 9 octobre de 10h à 17h à la salle Handisport, le gymnase du lycée. Donc facile à trouver dans la ville. C'est un beau rendez-vous avec 55 participants et donc des tas d'opportunités d'emploi, formation qui seront offertes ce jour-là. Et puis toute l'année l'émission locale et leur site sur l'Oise, sur la Somme, Noyon, Roye, Montdidier, nous sommes présents et à votre écoute. Et donc, je tenais à vous remercier très sincèrement de votre invitation, parce que vous êtes une association, nous sommes une association, et pour nous, on a cet esprit associatif aussi qu'on revendique. Et de toute manière, c'est vrai que, comme je dis également aux associations qui viennent régulièrement sur notre antenne, il y a ce rendez-vous qui existe du vendredi de 15h à 17h. J'en profite également pour signaler que maintenant, il y a un nouveau rendez-vous des associations qui est ouvert le jeudi de 17h à 19h. Donc, si jamais vous avez besoin de venir sur notre antenne pour parler de votre association, n'hésitez pas à le faire, puisque maintenant, on a deux créneaux dans la semaine. Le jeudi soir, 17h-19h, et le vendredi, 15h-17h. Et puis, après, on peut également adapter s'il y a besoin. Il n'y a aucun souci, on peut s'adapter également au planning des associations et des responsables. Donc, il n'y a aucun souci. Et la tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui ait le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Donc, je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Eh bien, je vous remercie infiniment. Je vous redonne simplement les trois adresses des sites. Elles sont faciles à trouver. À Noyon, nous sommes 324 rue du Moulin Saint-Blaise. C'est après Intermarché. À Roye, nous sommes boulevard du Général Leclerc, donc la grande rue du théâtre. Nous sommes faciles à trouver aussi, près de l'école de musique. Et puis à Montdidier, nous sommes juste à côté de la mairie, à l'annexe de la mairie d'ailleurs, puisque c'est la mairie annexe, et donc tout proche, place du Général de Gaulle. Et donc facile à trouver, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir, et toute l'équipe vous accueillera les bras ouverts. Merci infiniment.